Bonjour et bienvenue à PenseBête.tv. Aujourd'hui, on parle de la peur. Et pour ce faire, on a notre spécialiste en comportement canin et équin, Audrey Michaud-Ryan, qui est avec nous. Et Audrey, avant toute chose, je sais que la question est plutôt vague, mais pourquoi est-ce que les animaux ont peur? C'est sûr que ça reste une question qui est justement assez vague, dans le sens que c'est des émotions que les animaux vont vivre normalement au niveau évolutif. Nous-mêmes, les animaux domestiques, les animaux sauvages, c'est important qu'ils aient des symptômes de peur. Donc, c'est naturel. C'est 100% normal. Après, c'est juste de s'adapter au niveau de la domestication. Il y a certains symptômes de la peur qu'on préférait, nous, en tant que propriétaires, ne pas voir. Est-ce que la peur, ça se gère chez un animal? Chez l'humain, on apprend à gérer nos peurs. Est-ce que ça se transpose chez l'animal? Ils ne peuvent pas nécessairement, ils vont apprendre à la gérer quand elle est à un certain niveau. Et ça, ça fait référence un petit peu à ce qu'on a vu au niveau des apprentissages dans un épisode précédent, dans le sens que au niveau de l'habituation puis la désensibilisation. À un certain niveau de peur, c'est là qu'on va aller nuancer tout ça, on veut vraiment tomber dans les œuvres du conditionnement. Donc, on ne peut pas juste demander qu'ils s'habituent ou qu'ils changent leur niveau de peur sans les aider. Ça ne se règle pas en disant « arrête d'avoir peur » ou « tu n'as pas besoin d'avoir peur ». C'est vraiment plus profond. Ou « habitue-toi », ça va aller avec le temps, il va s'habituer. Alors, c'est vraiment des notions que tu vas nous apporter tout de suite après le topo, parce que pour l'instant, on s'en va rejoindre notre passionné du jour. David Smith, vétérinaire pour grands animaux à la clinique vétérinaire de l'Estuaire à Mont-Joli. Je suis médecin vétérinaire depuis 2012 pour les grands animaux, donc c'est pour les bovins et les chevaux. C'est un domaine qui m'a toujours attiré depuis que je suis jeune, étant donné que je viens d'une grande famille de producteurs laitiers. Donc aujourd'hui, je suis venu pour voir Fidji. C'est une jument de 11 ans que je suis depuis environ 3 ans pour un problème à son membre arrière-gauche. Ça avait commencé par un petit inconfort à l'arrêt puis une boiterie à l'exercice. Il y avait eu des examens faits à ce moment-là puis on avait diagnostiqué de l'arthrose dans son jarret à l'articulation en arrière. Aujourd'hui, on fait un suivi. Donc, on refait un suivi de radiographie puis on va refaire aussi un suivi pour un petit examen de boiterie, voir si c'est toujours confortable avec les soins qui ont été apportés dans la dernière visite, finalement. Donc, premièrement, l'examen pour Fidji aujourd'hui, c'est juste de palper les articulations, voir s'il n'y a pas d'enflure, de chaleur, d'inconfort lorsqu'on va peser sur les articulations. Fait que le problème principal qu'on avait diagnostiqué, c'était vraiment au jarret ici, qu'il y avait de l'arthrose dans l'articulation qui est plus distale. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va descendre doucement, on va comparer le gauche et le droit. Regardez s'il n'y a pas une enflure, un inconfort à quelque part lors de la palpation. Madame est chatouilleuse un petit peu. On va la ramener en appui. Doucement, doucement, doucement. Comme là, il n'y a pas de chaleur. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le cheval en mouvement pour voir, là, spécifiquement, on regarde son jarret arrière-gauche, voir s'il va avoir un inconfort. La meilleure allure pour voir ça, c'est au trot, comme on voit présentement. C'est une foulée sur deux. Si la hauteur des hanches est différente, si le porté de tête va être différent, c'est ça qui va nous indiquer le confort de l'animal et s'il y a une boiterie ou pas à ce moment-là. Pour finir l'examen de boiterie en mouvement, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une flexion du jarret qui va comme amplifier une douleur s'il y en a une. Donc, on tient le jarret un certain moment, comme ça, pendant environ une minute. Par la suite, au moment où est-ce qu'on va lâcher l'animal, on va pouvoir partir au trot immédiatement. Puis on va regarder si ça l'amplifie ou pas la boiterie à ce moment-là. C'est bon! Fait qu'on regarde si les hanches sont égales à chaque foulée. Puis à ce moment-là, c'était égal. Donc, ça n'a pas amplifié de douleur s'il y en avait une. On peut écarter la possibilité qu'il y ait une douleur. «
Donc, maintenant, on est rendu à l'écurie avec Fiji. On va lui prendre sa radiographie de contrôle pour cette année pour voir l'arthrose dans son jarret, comment ça a évolué. Comme vous pouvez voir, là, j'y ai donné une petite sédation. Là. C'est surtout pour assurer la sécurité du cheval qui ne fera pas de saut étant donné qu'il est attaché sur des chaînes, puis de moi-même aussi, puis de ma technicienne qui va tenir la cassette parce qu'on manipule les pattes de derrière, puis les chevaux peuvent être assez chatouilleux des fois de ces membres-là. Donc, on veut juste qu'il n'y ait pas d'accident puis que tout se déroule en sécurité. Es-tu prêt? Vas-y. On a terminé avec Fiji. Comme vous voyez, c'est avec cet appareil-là que j'ai fonctionné. C'est une radiographie qui est portable, finalement, qui c'est celle-là qui émet les rayons X pour effectuer la radiographie. C'est une machine qui fonctionne très bien. Puis nous, tout ce qui nous reste à faire, finalement, c'est d'aller développer la radiographie à la clinique pour voir le résultat de son examen d'aujourd'hui pour voir l'évolution depuis un an. La médecine des chevaux, c'est sûr que c'est un milieu qui est très stimulant. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on soigne des athlètes. C'est des animaux qui sont super performants, mais qui peuvent avoir beaucoup de petits problèmes comme des boiteries. Il y a beaucoup de médecine préventive qui est à faire aussi pour éviter qu'il y ait des problèmes dans le futur pour ces chevaux-là. C'est sûr que la médecine vétérinaire, c'est vraiment intéressant, mais on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Donc là, on a terminé avec Fiji, mais il me reste encore un cas à le faire aujourd'hui. Donc, on s'en va faire ça. Alors Audrey, aujourd'hui à l'émission, on aborde le concept de peur. C'est beau, tu nous as dit en début d'émission que c'est naturel pour un animal d'avoir peur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'humains, pour identifier le fait que notre animal a peur? Bien, c'est sûr que, dépendant de l'espèce qu'on parle, les signes de peur peuvent différer. C'est important de considérer que, par exemple, pour les chiens, 100 % des réactions dites agressives découlent de la peur. Donc, que ce soit le chien qui charge, qui va japper intensément, qui peut même grogner, ce sont des réactions de peur. Donc, ça fait référence à toute la lecture du langage canin qu'on parlait, donc d'être plus à l'aise avec les signaux communicatifs que l'animal peut donner et comprendre que ça découle de la peur. Donc, toutes les postures qui sont basses, toute l'insécurité aussi, par rapport, on va beaucoup voir les crêtes levées chez les chiens, oui. les chats qui se gonflent. Donc, toute la prise d'espace qu'un animal peut prendre fait référence à l'état défensif dans lequel il se trouve pour faire éloigner ce qui le dérange. Je vais prendre un exemple que j'ai personnellement vécu. Oui. J'ai déjà eu un chien qui, oui, lui, n'aimait pas du tout les colporteurs. Du moment justement que ça venait, que quelqu'un venait justement avec la crête sur le dos, avait donc peur. Est-ce qu'il y a un moyen d'essayer d'amoindrir cette peur-là? Bon, on le disait, c'est un petit peu difficile, la gestion de la peur chez l'animal, mais quelle solution est-ce qu'on pourrait essayer là, d'avoir, comme par exemple un animal qui va aboyer lorsqu'il voit d'autres chiens ou un animal qui va avoir peur de quelque chose? Comment est-ce qu'on peut essayer d'aller changer ce comportement-là? Prime abord, il faut considérer que le travail se fait avant les réactions. Donc, c'est un peu comme si on voulait montrer à une personne qui a déjà eu des problèmes de natation, il a manqué de se noyer, par exemple. C'est pas une fois dans le profond, quand il est en train de se débattre, de faire « OK, fait que là! » pour faire des longueurs. Donc, il faut vraiment préparer l'animal quand les signes de peur sont beaucoup moins grands. Donc, lorsque la menace est moins grande pour lui. Oui, quand il est capable de faire la part des choses et qu'il n'est pas dans sa réaction. Donc, quand l'animal est en train de japper, quand il est en train de mordre ou en train de grogner, c'est pas le temps de l'éduquer, c'est le temps de le gérer. Couper la réaction au mieux, toujours dans la neutralité, et évidemment, on peut amener l'animal à changer d'une émotion plutôt apeurée à plutôt joueuse, soit en le nourrissant ou en lui proposant un jeu. On lance la balle, par exemple. Ah, oui. Ça va, viens ici. Donc, on essaie de changer les idées, oui, un peu. Changer comme les émotions. Donc, changer l'émotion de place. OK, je comprends. Et là, une fois là, qu'on a fait ça, parce que souvent, il y a une espèce de corrélation entre l'animal et son maître. On sent que l'animal a peur. On devient insécure de sa réaction. Par le fait même, nous, on ressent peut-être un peu de peur. Et là,
est-ce qu'on peut transmettre cette peur-là à l'animal? Bien, en effet. C'est-à-dire que les émotions se communiquent entre elles. On le voit beaucoup, c'est, je vais faire beaucoup le parallèle avec les enfants. Par exemple, l'enfant tombe à terre. Il voit qu'il fait un saut, on est là, « Oh, ça va! » Ça y est, il se met à pleurer, ça va plus. Donc, c'est sûr que l'état de stress que nous, on peut partager, va déjà semer la suspicion chez l'animal. Comme ça, « Oh mon Dieu, c'est vrai que ça va pas! » Donc, de vraiment voir tout ça dégringoler permet, ou du moins amène l'animal de plus en plus dans la peur. Donc, est-ce qu'on a des trucs, qu'est-ce qu'on peut faire pour la gérer, cette peur-là? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois là, qu'on a établi, par exemple, les différentes sources de stress de notre animal de compagnie? Bon, tu parlais tout à l'heure là, de changer la tension. Est-ce que c'est la seule stratégie qu'on va utiliser? Non. C'est sûr qu'au niveau comportemental, il est important de bien saisir. Parce que c'est facile de faire « Ah, ben oui, s'il y a peur, nourris-le, ou s'il y a peur, joue ». Souvent, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a des protocoles serrés en tant qu'éducateur. Et c'est là que c'est important de faire affaire avec un comportementaliste. Prime abord, juste de mieux gérer et de comprendre ça. Donc, déjà, ne pas tomber dans l'aversion. Parce que souvent, dans les réactions de peur, on ne les aime pas. Donc, que ce soit le cheval qui prend soudainement beaucoup d'espace ou le chien qui va se mettre à faire des comportements que nous, on n'aime pas, c'est-à-dire de grogner ou de japper ou autre, on a tendance à punir ça. Donc, hey, c'est assez, tais-toi. Par contre, est-ce que ça enlève la peur que l'animal a par rapport au stimulus qui le dérange? Non. Est-ce que ça peut lui en faire développer une nouvelle? Oui. Ça peut en pire. En fait, ça peut vraiment jouer sur, attends un peu, quand je vois ce stimulus-là, mon mâle qui est habituellement tout gentil, tout chantant, soudainement se met à me prendre par le collier et me chicaner, par exemple. Donc, non seulement j'ai besoin d'avoir peur du stimulus, j'ai besoin d'avoir peur de mon maître. Et là, ça devient pire. En présence du stimulus. Parce que, par exemple, la vue du chien annonce le changement de comportement chez le maître. Et là, c'est vraiment à cause du chien, tout ça, là. Donc, le chien peut développer de plus en plus de peur à cet effet-là. Et on le voit dans plusieurs sphères de l'entraînement animalier, là. La question qui tue, Audrey. Et là, je ne sais pas si tu vas avoir une réponse pour moi. Est-ce qu'un animal qui a peur est dangereux? C'est une bonne question parce que chaque individu va avoir une prédisposition à agir différemment devant la peur. Ça peut être génétique, ça peut être appris. Une bonne éducation, c'est-à-dire dans le bon sens avec les méthodes qu'on parle, peut prévenir beaucoup de problématiques. Il y a des animaux qui vont toujours être plus offensifs que d'autres. Donc, dans un contexte de peur, vont vraiment chercher à faire partir le méchant. Dans un contexte de peur, un autre type d'animal peut vraiment aller se cacher, je prends l'exemple du chihuahua, en dessous de la table et faire uriner. Donc, c'est deux contextes qui sont très différents, mais en effet, quand on constate, par exemple, au niveau des chiens ou même au niveau de plusieurs espèces, les morsures n'arrivent qu'en contexte de peur. Ils peuvent arriver en contexte de jeu, mais généralement, celle qui fait mal, là, celle qui est dommageable. Celle qui est vue en plus grand pourcentage de cas, c'est vraiment les morsures de peur. Donc, c'est d'apprendre à connaître son animal, de là l'importance de le connaître, et aussi probablement qu'il existe des moyens. Je ne sais pas si dans ta pratique à toi, tu es ouverte, par exemple, aux fameuses muselières, ou lorsqu'on promène un chien, qu'on sait que notre animal de compagnie peut vivre une très grande peur, très incontrôlée. Ouais. Est-ce que tu préconise ou est-ce que tu favorises l'utilisation de ce type d'outil? La première des choses, quand on voit que notre animal a peur à un certain niveau dans un contexte, c'est vraiment de sonner l'alarme, faire « OK, à partir de maintenant, ce contexte-là, c'est terminé », et vraiment de trouver quelqu'un qui peut nous appuyer dans la démarche pour défaire ça. Parce que ce n'est pas rare que ça dégénère, et souvent j'entends les gens dire « Ah, mais tu sais, il y a juste un an, ça va changer ». Non. Donc, puis on veut vraiment travailler dans le bon sens pour s'assurer de prévenir toutes les problématiques. Beaucoup de personnes, j'ai encore des frissons des fois quand je vois ça, là, parce que, en fait, beaucoup de personnes vont dire « Ah oui, il n'y a pas de problème, tu peux t'approcher de mon animal. » Et l'animal fait des signes très clairs là, de peur. Est-ce que ça veut dire qu'il va mordre? Non. Est-ce que ça veut dire qu'un jour il pourrait mordre? Clairement, comme tous les animaux, dans un contexte de survie. Rappelez, il faut se le rappeler, des différents spectres de peur. Donc, il y a plusieurs niveaux. Ils peuvent avoir peur un petit peu, avoir peur beaucoup.
Mais ça, peu de propriétaires sont vraiment capables de mettre un mot là-dessus. Et justement, j'aimerais que, parce que là, tu parlais du fameux contexte de survie, parce que oui, on le disait en début de chronique, la peur, ça reste que c'est naturel, mais probablement que la peur chez un animal qui est catégorisé comme étant un prédateur est très différemment vécu qu'un animal, par exemple, qui est catégorisé comme une proie. En effet. C'est-à-dire que les proies, eux, sont préprogrammés à partir, courir dans la direction opposée, puis survivre. Les prédateurs, eux, ne connaissent pas très bien la peur. Donc, ils vont toujours être très suspicieux par rapport à ça. C'est quoi ça? Je vais aller voir. Donc, ça nous donne toujours cette mauvaise intuition-là parce que notre chien, il tire pour aller voir les autres chiens, ça doit être parce qu'il a envie d'aller les voir. Pas nécessairement. Et justement, ça m'amène à la question parce que le chien, par exemple, et le chat, sont-ils dans la catégorie des prédateurs ou des proies? Parce qu'on les voit très rarement dans le milieu naturel. C'est sûr, le chien va avoir tendance à chasser, donc on a l'impression qu'il est un prédateur. En même temps, un chihuahua peut-il être considéré comme étant un prédateur? Oui. OK, donc... Écoute, on en apprend tous les jours. Oui, c'est ça. Canis lupus familiaris, l'espèce de chien à la base, c'est tout nous qui les a découlés, hein, les uns des autres. Et on se rappelle, la définition d'une espèce, c'est si elle peut produire une reproduction viable. OK, donc, se reproduire de manière viable. Oui, c'est-à-dire que la progéniture, elle, peut être reproduite et ce n'est pas des hybrides. Donc, ils sont fertiles. On peut croiser facilement un berger allemand, un chihuahua. Oh. Donc, bien, c'est au niveau esthétique, ça sera viable. Mais c'est viable. Donc, c'est toute la même espèce, entre guillemets, et ils sont des prédateurs, les chats également. Après, les chats aiment courir après les souris. Les chiens, eux, peuvent rapidement apprendre à courir après des chats et c'est aussi agréable. Donc, il faut après revoir les patrons moteurs de prédation et la Donc, chasse en soi. Chaque prédateur peut devenir la proie d'une autre espèce. Oui, quelque part. Ouais. Donc, mais quand même, le concept de peur démystifié de cette façon-là nous aidera sans doute et vous aidera sans doute aussi à la maison à être capable de réaliser que oui, votre animal peut avoir peur et que c'est dans ce contexte de peur-là qu'on doit absolument travailler finalement, oui. Bien, en fait, avant qu'il se produise. Bien, surtout aussi à ne pas prendre à la légère parce que plusieurs personnes disent « Ah, bien, tu sais, au vétérinaire, ça ne va pas super bien, dans l'auto, ça ne va pas super bien. » Mais ça, c'est des choses que l'animal peut vivre au quotidien. Pour nous, c'est sûr qu'on est comme, tu sais, il va s'y faire, tu sais, il faut que ça passe, c'est un bain, c'est juste une fois. Oui, mais l'animal, tu sais, encore une fois, si on faisait le parallèle avec un animal totalement sauvage, bien, on ne pourrait pas voir ça. Donc, c'est vraiment d'amener l'animal à confronter sa peur, mais dans le respect de ses capacités. En effet. Et aussi pour que cette peur-là, finalement, devienne quelque chose d'habituel, d'un peu banal. Oui, bien, on pourrait au moins la réduire pour que ça soit beaucoup plus viable. Encore une fois, ultra intéressant, Audrey. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cette émission de Pense Bête.tv. On se retrouve à une prochaine fois.